بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ فرير شيخ سير تري شير زانفون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bienvenue à la saison du Coran mois béni de Ramadan. Alors, comme vous le savez, cette année-ci, on parle sur le mariage selon l'islam. Alors, il y a quand même une humeur, comment dire ça? Il y a une rumeur comme quoi l'islam ne respectait pas les femmes. Alors, il y a des gens qui marient ses enfants sans autorisation, sans demander l'avis de sa vie ou bien l'avis de sa fille, ou bien en fait, il n'essaye pas de demander l'accord de sa fille. Il donne sa fille en fait comme cela, sans demander son autorisation, son avis. Peut-être il y a des gens qui sont fanatiques, ils font ça. C'est pas l'islam. L'islam demande toujours l'autorisation et l'avis de la fille pour se marier, comme le saint prophète lui-même a insisté sur ce sujet-là. Par exemple, le meilleur exemple qu'on peut vous présenter, c'est l'habitude et le fait du saint prophète lorsque Imam Ali demandait la main de Fatima Zahra, salam alayha. Alors, le saint prophète dit pas, oui, je vais te donner ça. Il dit, attends, Ali, je vais demander l'avis de ma fille, Zahra, salamullahi alayha. Alors, tout d'abord, il entre dans la maison à l'intérieur. Il demande l'avis de Fatima Zahra, salamullahi alayha. Lorsqu'il a eu son accord, il dit, Allahu Akbar, il revient. Il dit, Ali, j'ai une bonne nouvelle à toi. Il a accepté de se marier avec toi. Vous voyez, là, le saint prophète demande l'avis de la fille. Et c'est ça en islam. Même chez les sunnites, dans les livres en fait, juridiques, ça se trouve. Mais parfois, il y a des pères qui en fait, décident comme ça sans demander l'avis de sa fille. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le problème de l'islam. C'est le problème des musulmans. Alors, selon l'islam, on doit en fait demander toujours l'autorisation de la fille pour pouvoir la marier avec un garçon. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.